Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dernier message parce que vous le savez, pour toutes les personnes qui me suivent, que moi je termine le vendredi avec vous. Alors avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Encore une fois, tout passe par la pensée. Avoir des pensées positives pour commencer votre journée, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai pigé « Exprime ta vision du monde » et c'est une carte du 7e chakra, qui est la couleur mauve, violette, n'est-ce pas? Et c'est le chakra coronal. Il se trouve, eh bien, au sommet du crâne, à la frontanelle. À la fontanelle. Alors, ce chakra, il siège, eh bien, notre niveau de conscience, le plus intérieur et le plus haut, source d'unité, celui de notre âme. Telle une fleur de lotus, eh bien, il reçoit la lumière divine, de l'inspiration pour la manifester dans la matière. Vous savez, cette belle fleur de lotus qui se referme une fois que la lumière n'y est plus et qu'elle s'ouvre au magnifique soleil, à cette magnifique lumière. Donc, elle se manifeste dans la matière, n'est-ce pas? Alors ce chakra, lorsqu'il est bien ouvert, n'est-ce pas, lorsqu'il est bien dans l'alignement, eh bien il reçoit cette magnifique lumière pour mieux la transmettre. Il permet votre accomplissement personnel dans toute sa complétude, parfaitement en axe avec vous-même. Eh bien la vie extérieure reflète votre monde intérieur et il est aisé, n'est-ce pas, de vous réaliser ainsi. Lorsqu'il commence à s'ouvrir, eh bien vous êtes attiré par les enseignements mystiques. Vous éprouvez un sentiment d'émerveillement devant l'immensité de la création. Et lorsque ce chakra n'est pas bien aligné, lorsqu'il y a un blocage d'énergie qui est situé à ce niveau, eh bien, il empêche l'accès à l'unité et provoque un sentiment d'isolement, de non-réalisation et de déconnexion, car vous êtes séparé de vous-même et du monde environnant. Alors, toute forme d'enseignement mystique est balayée, eh bien, en bloc, puisque rien d'autre ne compte que la réalité au travers de vos 5 sens. L'indécision, eh bien, elle vous domine et vous n'allez, hélas, pas la moindre étincelle de joie en vous. Vous n'avez pas la moindre étincelle. Il y a une solution et pour accéder à votre parfaite complétude, tout un chemin de développement personnel est nécessaire. Pour prendre conscience qu'il existe d'autres dimensions au-delà de vos 5 sens et que, eh bien, et que vous avez le pouvoir de créer la réalité qui vous correspond le mieux, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est ce beau travail, s'autoriser à être soi. Et pour être dans la pleine réalisation de vous-même, eh bien, il faut veiller à aligner vos 6 premiers chakras, n'est-ce pas? Exprime ta vision du monde. Quand tu ne fais qu'un avec ta conscience et ton cœur, eh bien, tu es très inspiré et tu ne vois pas le temps passer. Quand tu crées, tu ressens beaucoup de joie, n'est-ce pas? Et tu te sens vraiment à ta place. Parfois, eh bien, tu laisses dominer ton mental. Et alors, tu reviens sur ce que tu as créé et tu t'auto-limites ou auto-sabotes. Car tu crains
que ton originalité ne dérange, ne surprenne, ne soit trop différente, donc rencontre la critique. C'est le manque de confiance en toi, ça, n'est-ce pas? Manque de confiance en toi. Manque de confiance en toi. Pourquoi? Or, tout ce que tu fais en étant toi dans ta pleine dimension d'être est tout simplement parfait et ne peut qu'éveiller en l'autre un intérêt incontestable. N'oublie pas, n'est-ce pas? N'oublie pas que tu es le seul à voir l'univers tel que tu le perçois. Tu sais, le monde, il attend que tu révèles cette vision personnelle. Alors, pourquoi te priver? Autorise-toi enfin à devenir toi. Trouve ton idéal et offre-le aux autres. Quand tu es en accord avec toi-même, eh bien, tu sais, tu rayonnes. Ça se voit à l'extérieur. Et ces rayons nourrissent, eh bien, indiscutablement les autres. Exprime ta vision du monde. C'est important. Et n'oublie pas que tu es le seul à voir l'univers tel que tu le perçois. Très très beau message pour terminer. Et je termine ne plus avoir peur. Je repense à une expérience terrifiante que j'ai pourtant brillamment réussi. Eh bien, ma naissance. Nous sommes tous venus au monde et c'est sans doute ce que nous avons fait de plus difficile. En repensant au petit être que nous étions alors, si fragile et en même temps si fort, eh bien, nous chassons la peur d'agir. Très très beau message pour terminer cette semaine. Je vous souhaite une toute belle journée, un excellent week-end dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, la générosité, l'amour inconditionnel, la joie, la gaieté, le rire. Tout ça, c'est important. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, moi, je vous embrasse tout fort. Et je vous dis à très vite.